Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un petit tour relativement simple à réaliser, qui ne demande pas forcément de se casser les doigts, avec un effet plutôt sympa. Je sais pas si vous allez aimer ou pas. En tout cas, ça vous fera un nouveau tour dans votre répertoire de cartes magie. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et d'ailleurs dans la description, il y a plein de liens très intéressants. Les liens vers l'école de magie, la plateforme de VOD, le lien pour souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube et me soutenir et avoir accès à tout le contenu de Tuto Magie Premium. Également les réseaux sociaux si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bref, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos et pour ne rien manquer. Et également n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Alors le jeu peut être mélangé par le spectateur, c'est vraiment très fort. C'est ça, c'est un tour un petit peu impromptu. Et on récupère le jeu et on va sortir trois cartes. Alors on va dire, on va sortir celle-ci. Je vais prendre un 5 par exemple, ça peut être très bien. Et toc toc toc, on va prendre aussi le 3, voilà. Ça va le faire. Donc 1, 5, 3, 5. Voilà, comme ceci. On va les positionner ici. Et le but, c'est de retrouver les cartes jumelles de ces cartes. Mais de façon un peu aléatoire. Hein. Juste en coupant par l'intuition, on va dire. Regardez bien. Pour la première, l'as de cœur. On va effeuiller. Hop. Et normalement, si je coupe sur l'as. Si ça fonctionne. Mais en fait, elle n'est pas dessus. Hein. Elle est toujours dessous. Donc ça, c'était pour la première. L'as de cœur. On a bien l'as de carreau. On va le refaire cette fois. Mais pour le 3 de trèfle, donc on va chercher maintenant le 3 de pique, regardez bien. J'ai feuille, et logiquement, ouais, je la sens bien là, ici. Bon, c'est pas dessus, hein, comme je vous l'ai dit, mais dessous, hein, je vous avais prévenu. Hein. on continue, regardez bien. Cette fois pour la dernière, avec le 5 de pique, il va falloir trouver donc le 5 de trèfle. De la même façon, on effeuille, et logiquement, hop, si on coupe, je pense qu'elle est ici, là, on tombe sur le... Ah là, j'ai complètement raté. 9 de trèfle. On va pouvoir la trouver parce que logiquement, elle est quelque part. Le 5 de trèfle, si vous la voyez, vous me le dites. Hein. À moins que... Ça marche. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a rien à voir. Les jumelles sont bien été retrouvées et réunies pour l'éternité.